Bah, aujourd'hui, nous sommes chez Firmin Viric, qui accueille à nous sa case. Nous sommes là pour parler de Firmin en tant que bonhomme, parce que Firmin Viric, Domouni connaît lui en tant que chanteur, mais Domouni connaît pas vraiment qui ça il est, comment il était quand il était petit, quoi ça il a fait, tout ça là. Alors, Firmin Viric, bonjour. Bonjour. Alors, Firmin Viric, qui ça il est? Firmin Viric, c'est le fils de Anne-Marie Viric. Oui. Il est né en 1935 à 10h du matin. Et le chemin Badenville, on ne te dit pas chemin Badenville, on a dit chemin commune. Chemin commune. C'est le chemin où ils sortent Saint-Pierre, ils montent. Ils sortent Saint-Pierre à côté de la zone industrielle, ils montent droit. Oui. C'est ça. Donc Firmin Viric, il est né ici en Aubin. Ligne Paradis. Ligne Paradis. Où l'a toujours habité la Ligne Paradis, Firmin? Oui, il y a un moment que là, passe à moi des certains trucs, comme on a pu me marier. Où l'a sorti? M'a été obligé de décaper puisque le parent n'entend pas trop. Ah, d'accord. Avec mon foyer, ouais. Ça casse un côté, mais au début, il arrive des ennuis. Où la partie? Bon, la partie, mais il me dit, mais le terrain, t'as beaucoup partagé. Il me dit, ben, essaye de partager le terrain. Quand il partage le terrain, il donne sa question de terre, et puis. Mais il retourne, c'est moi. Ah, d'accord. Après, le revenu à la, oui. À la Ligne Paradis. Maté, si je mets à la Ligne Paradis, même dans le petit Bastère. Ouais. Côté de la zone industrielle numéro 2. Oui, dans le fond, là-bas, complètement ouais. Là-bas. Mais Firmin, nous, ce que nous voulions savoir, quand on était petit, quand on avait l'âge de comprendre, de connaître un peu la vie, comment elle était, explique à nous un peu de temps, comment elle était. Comment on la vivait dans le temps longtemps, quand on avait 10, 12 ans, quand on était jeune, où tu commences à comprendre. Comment elle était la vie longtemps? Ah, mais la vie longtemps, t'es encouragé, nous n'avions pas tout le moyen, ça qu'il fallait à nous. Ouais. Mais avec le petit peu, c'est un petit travail, la terre. Ouais. Mais où tu ne travailles pas, tu as 10 ans, non? Là, comment je me mets pied dans la terre, moi, j'avais 9 ans. 9 ans, ben oui. Mais où tu commences à travailler, là? Ben, travaille bonheur. Ouais. Et puis, ma maman aussi, t'es encore là, qui travaille. Ouais, d'accord. Ma grand-mère, t'es aide à moi, quand ma maman, t'es ça, Vannelé, Saint-Pierre. Ouais. S'il arrive aux enfants. Ouais. Mais là, moi, avec ma grand-mère, t'es prends le bœuf et... Nous avions toujours les animaux. Oui. Tu prends moi le matin, vers 8h par là. Ouais. Moi, avec Litson, parce qu'il était fini un peu vieux, il était bien pas couru. Ouais. Mais c'était quoi l'implantation? Moi, t'es sûr. À 9 ans, où t'es fait ça déjà? Mais t'es fait. Et t'es dur, comment t'es les... Ah, mais t'es dur, bah, il fallait, comme dit le compte. Et tout savoir aujourd'hui, ça commence à avoir appris tout par ma maman et ma grand-mère, ouais. Mais plus c'est plutôt côté ma grand-mère. Ouais, bah explique à nous un petit peu comment elle était, comment on l'a appris, la vie toute banale. Ce grand-mère là, apprendre à où la vie, apprendre à où à travailler, apprendre à où à tout ce que vous connaissez là maintenant, en 10 jours là. Oui, parce que ma grand-mère lui-même, au niveau vie, il dit il faut respecter la personne. Ouais. Sous la vie, un bonhomme, il faut dire bonjour tonton. Oui. Si tu la trouves une madame, il faut dire bonjour tantine. Oui. Mais ça, dans le temps longtemps, t'es obligé, ça, il passait pas là. Si tu t'es fait pas aussi, le joueur, ben là, il croit, là, il dit ce qu'il a dit, un petit enfant, là, un peu mal élevé, il dit, viens ici, trappe, tu fêtes la main ici. Il met les trois coups sur le qui, ouais. Il dit, après, tiens, on respecte le monde quand il parle dans le semaine, il dit, allez, pour respect, bonjour tantine, bonjour tonton. Mais même quand tu connais pas le monde. Mais on regarde pas, il y a aucun monde qu'on connaît pas, famille là pas famille, qu'on toute comme famille. Mais elle a grandi là-dessus. Après, quand elle avait à peu près 13 ans, 14 ans, ouais. Ma grand-mère, il y a moins la ville, et pas nous peut disparaître là à la minute. Ouais. La montre à moi fait d'Arlaise. Ouais. Mon pantalon, ouais. L'avait mon racine. Mais ça, c'était le rôle de fille, ça, mais à où un garçon fait ça? Ah, nous dit la montre à moi. Ouais. Mais moi, après, il a rendu mon service. Ouais. Et puis quand ma maman est morte en 1950, elle n'avait plus personne pour donner un coup de main pour faire notre travail. Elle avait des vieilles femmes qui écoutaient moi, elle a toujours crié à l'autre, tantine, ouais. Qui rendait moi un service, ouais. Mais elle n'a pas tout ce qu'elle fait. Ouais. Il y a des jeux qui lèvent grand matin, le corps est fatigué, il est à l'aéroport, quand on croit qu'il ne passe pas. Mais je t'aime le petit coup de sec, moi t'aime le petit coup de sec là. Ouais. Moi, il est pas là, tu rentres, tu arrives, il a mon linge, ouais. Il nettoie, il n'a pas pu acheter la pièce. Ouais. Et je mets un bouton à casser, il y a tasse, ouais. mais avant, je t'y attache le bouton, il dit à moi, là, sous le linge, la déchirure. Il faut trapper une pièce, mettre dessous, bien raidie, ouais. La toile,
faut filer avant. Ouais. Après, mettre de point de couture, il faut couper comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, des vies. Ouais. Et ça, l'apprendre là-haut à faire ça. Ah, l'apprendre à moi à faire ça. Mais c'est quand ma maman est mort, des ans après, ma grand-mère est mort aussi, ouais. Mais t'es plus personne. Ah, mais maman est mort jeune, ça. Mon maman est mort avec 37 ans. Les jeunes, hein. Ah oui, jeune. Mais quand on regarde, si on revient dans ton longtemps, beaucoup de personnes, dans ton longtemps, leurs parents, soit le maman est mort très très jeune, soit le papa est mort très très jeune. Oui. Est-ce que vous l'avez entendu ça ou? Mais nous, le grand monde qui a compté à nous, il dit nous, pas là pour la vie. Mais la minute peut disparaître. Ouais. Mais longtemps, notre femme, notre bouguère, il peut 60 ans. Les rannes, hein, puis si ça qui arrive, il perd 100 ans aussi. Ouais. Mais la plupart, souvent, des fois, quand un bouguère a 55 ans, 60 ans, là, il arrive pour son retraite, le bouguitaine. Ouais. Ben oui, ben. Comment on explique ça hein? Moi, il me dit aujourd'hui, le monde a toute facilité pour nous amener une vie normale. Ouais. Le docteur de Nao, un médicament où ça a consulté. Mais il faut écouter son exemple là qui dit, oh, s'il n'est pas bon, il y a sans le médicament. Ouais. Mais même on dit, oh, tu le comme ça, demain, après-demain, il sera bon. Non. Nous, les là, pour servir nous-mêmes. Ouais. S'il n'est pas où, qui garde en haut, peut-être marié, ou madame, dans son travail, pour faire bien parce qu'il y a au lit. Ouais. Souvent, des fois, il me dit, mon madame, me dit, moi, il veille à moi. À où veille à où. Parce que si nous devons aller dans la cage, dans des grilles, la puis manger, on mange au crevé. Bah oui, mais donc, c'est un sens de la raison, oui. Mais après, comme il y a aussi mon grand monde, quand la montagne, moi, les fins d'Arlin, la piste et tout, ben, un jour, on m'a fait une émission, si il y a réchaud, m'a été pour attacher mon bouton qui l'autre, mon repassage, tout. Moi, il passe au carreau, s'il l'aise. Mais ça, tout ça, moi, l'a pris avec mes parents. Vous l'avez pris, c'est le gros carreau en fer, là, non? Gros carreau en fer. La cendre dedans. Mais c'est un beau. Ouais. T'es quand même fait un peu ça, parce que ça, c'est sali là, ça. Mais sali même, mais quand on passe un peu en distance, on ne passe pas trop près. Ouais. Le carreau, là, mais le carreau, quand il est chaud, avant de passer là, je suis. Ouais. Mais moi, je suis décoté partout. Ouais. Mais le carreau, avant, mais si je fais, il lave. Mais là, aujourd'hui, il lave pas, on va mettre de l'eau dedans, je joue. Après, il y a mis pas longtemps ici disparaître. Mmh. Mais tout ça que mes parents, là, montent à moi, on essaye de tenir jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Mais ils aiment le respect et ils aiment tout le monde. Tout le monde, c'est mon monde. Quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit son opinion, quelle que soit sa race, quand la peau, il coupe là. Le sang, il coule tout le monde pareil. Mmh. Mais les exemples parents, ils donnent à nous longtemps. C'était comme un âme.